Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques du Valentin, demi-trimestre. Bon, comme vous le voyez, nous sommes dans la salle de musique à côté du foyer, puisque en ce début d'année scolaire, nous souhaitons mettre à l'honneur nos clubs, sont nombreux au Valentin. C'est les clubs qu'on veut mettre en valeur, pas ton talent. Apparemment, ça sera rapide. Bref, pour commencer, je vous propose tout de suite une vidéo de présentation de l'ALESA. Alors bonjour, aujourd'hui on va vous présenter l'ALESA. Donc moi c'est Zoé, je suis présidente. Moi je m'appelle Romance et je suis trésorière. Moi c'est Charlotte et je suis trésorière. Moi c'est Julien et je suis secrétaire. Moi c'est Carmen et je suis membre actif. Moi c'est Oriane et je suis membre actif. Et moi c'est Marie et je suis membre actif. Donc l'ALESA c'est l'association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis. On propose, on organise des sorties, des soirées, des clubs, etc. J'ai pu prendre des responsabilités en organisant des sorties, gérer l'argent, gérer du temps. Et puis c'est toujours agréable d'organiser une soirée que tout le monde aime ou une activité que tout le monde aime. De plus, j'ai pu participer à la rencontre des élus nationales ALESA, donc avec Romance, la trésorière. Et on a pu rencontrer plein d'autres ALESA, d'autres lycées à Lille. Et on y est resté 4 jours, donc c'était une superbe expérience. Grâce à l'ALESA, on peut jouer au piano tous les soirs. Bon, du coup, les gars, il nous faut du monde pour l'année prochaine, sinon vous n'aurez pas d'activité, pas de soirée et tout. Du coup, bonjour ALESA. Bravo aux élèves impliqués dans tous ces projets et aux enseignants qui les accompagnent tout au long de l'année. Et oui, nous avons également l'association sportive encadrée par les deux enseignants d'EPS qui proposent des activités tous les soirs en semaine et surtout le mercredi après-midi. De quoi donner des envies de grand air quand même. En parlant de grand air, les élèves de seconde sont partis dans le Vercors le 3 septembre dernier pour une journée cohésion, histoire de mieux se connaître. Oui, j'en ai entendu parler. Et même chose pour les premiers STAV en stage territoire. Et oui, le stage territoire a eu lieu la semaine dernière pour découvrir le massif de la Chartreuse et ses acteurs. Une grande initiative es de los profesores. Parce que tu parles espagnol maintenant. Non, pas du tout, c'était pour faire la transition. Je me disais. Justement avec les terminales STAV qui font actuellement leur voyage dans la région du Pays Basque espagnol à Bilbao. Superbe région. En tout cas, je te conseille de t'inscrire au club de langue dès la rentrée des vacances de Toussaint. Tu pourras t'entraîner à parler ou anglais ou espagnol toutes les semaines. Ça m'intéresse. Absolument. Ben d'ailleurs, en parlant de vacances, les vacances de Toussaint approchent à grands pas. Et qui dit vacances de Toussaint dit... Halloween ! Eh oui, pour fêter ça, les élèves de l'ALESA ont organisé une magnifique soirée le 17 octobre, une soirée spéciale Halloween juste avant les vacances. Reportage. Bonsoir à tous, on est en duplex live du bâtiment A où se déroule actuellement la soirée d'Halloween. Elle bat son plein, Laurent. Et oui, après le défi des ailes, maintenant place à la visite des catacombes du lycée. Allez découvrir par vous-même. Les filles, qu'est-ce qui vous plaît dans l'organisation des soirées comme celle-ci ? Ça permet de rencontrer des gens, de rigoler, d'organiser des choses pour faire plaisir aux autres, de bien commencer les vacances. Et surtout de parler avec des personnes qu'on ne parle pas d'habitude dans les couloirs ou quoi. Et c'est toujours bonne ambiance les soirées comme ça, tout le monde rigole et voilà. Quelle belle soirée, j'en frissonne encore.
Pour terminer ces chroniques, voici maintenant l'actu en bref. On commence avec la préparation du CJAJ, le concours de jugement animal par les jeunes. Nos élèves se sont entraînés pour tenter de participer à la finale au Salon international de l'agriculture à Paris en février 2025. Nouvelle année scolaire, nouveaux étudiants. Nous souhaitons la bienvenue à tous les étudiants étrangers qui nous ont rejoints cette année. Toujours en bref, nous accueillerons dès la rentrée des vacances de la Toussaint des mini-stagiaires. Ils viennent découvrir le Valentin pour les élèves de 3e en classe de 2e et pour les élèves de 2e en classe de 1e. Merci de leur réserver un bel accueil. Toujours en bref, on poursuit en vous rappelant que l'opération Troc'œuf a repris du service. Le principe est simple. Vous amenez au BVS des serviettes hygiéniques ou des denrées alimentaires pour les étudiants qui restent à l'internat le week-end et en échange, vous recevez les œufs de nos poules. En bref, pour terminer, l'exploitation agricole a récolté, grâce à l'aide des élèves de seconde, 2,5 tonnes de raisins le 9 septembre dernier lors des vendanges. L'inauguration de la cuvée 2023 a eu lieu à la Musette le 4 octobre dernier lors d'une belle dégustation. C'est déjà la fin de ces chroniques. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous souhaitons de très bonnes vacances. Et en parlant de vacances, justement, on vous laisse avec quelques images du voyage à Cassis des terminales générales. Cassis, c'est fini. Dire que c'est la ville, mon premier amour.